en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor rosario como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario como hago sin ti, si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré. Rosario. Hé, hey, calme-toi, ça va. Tiens, ce ne serait pas Fabiana, l'ex-femme de ton prince charmant? Laisse tomber, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là, Geronimo? Calme-toi, je t'ai dit. Non, qu'est-ce que tu fais là? Je veux de l'argent. De l'argent pour m'en aller et disparaître comme tu l'as toujours voulu. Allô? Bonjour, ma reine. Priscilla, je suis sur le chemin de la maison. Mais tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alessandro a demandé Rosario en mariage et ils ont l'intention de se marier ce week-end. Qu'est-ce que tu dis? Tu as très bien entendu, ma chérie. Et crois-moi, il a l'air vraiment déterminé. Non. J'arrive chez toi tout de suite. À tout de suite, ma reine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu fais cette tête? Ce qui se passe. Par ta faute, puisque tu as échoué dans la mission que je t'ai confiée contre Rosario, c'est qu'Alessandro vient de la demander en mariage. Oh bon Dieu, Rosario a une sacrée veine, hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, mais là, il faut que j'aille chez ma marraine et après, je verrai ce que je ferai. Comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas, Geronimo? Ma beauté, tu ne peux pas nier que Rosario a un ange gardien qui la surveille et la protège constamment. Ah oui, tu crois ça, hein? Rien ne m'arrêtera, pas même son ange gardien. Tu peux me faire confiance parce que ce mariage n'aura pas lieu, Geronimo. Je te le promets. Tiens, mon amour. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. Mais Alessandro, je n'arrête pas de me dire que quelque chose ou quelqu'un va nous séparer. Alors je crois que j'avais raison et qu'il faut que j'aille rendre visite à ta mère à l'improviste pour lui parler. De quoi est-ce que tu parles? Dès à présent, d'aller chez toi et de demander sa bénédiction à ta mère. Tu es vraiment sérieux, Alessandro? On ne peut plus sérieux. Là, on va aller tout de suite chez toi et essayer de convaincre ta mère de ma sincérité. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas obtenu sa bénédiction et que tu ne seras pas mon épouse. J'ai déposé le petit chez les voisins. Je ne veux pas que quoi que ce soit nous dérange. Bon, alors dis-moi. Comment as-tu l'intention de me montrer que mon mari ne m'aime pas? Tu vas l'entendre toi-même de sa propre bouche. Merci de m'avoir écoutée, ma chérie. J'espère juste que Guillermo va arrêter d'insister parce que je t'avoue que quand je l'ai retrouvée, ça m'a fait... C'est vrai, ça m'a fait très mal au cœur. Oh, Caridad. Non. Ah, ne dis rien parce que je sens que ça va être pire. Oh, excuse-moi. Comment ça se passe avec ta fille? J'adore l'idée d'aller voir directement ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Et tu sais quoi, mon amour? Quoi? J'ai peut-être une meilleure idée. Laquelle? Pourquoi tu ne l'amènerais pas dîner au restaurant qui se trouve à côté de chez toi et moi j'arriverai là-bas vers 8 heures? Oh, Alessandro, non, mais je crois qu'elle sentira qu'on prépare quelque chose. Oh, mon amour, c'est le seul moyen d'être sûr qu'elle m'écoutera. Je saurai la convaincre que je t'aime et lui annoncer que nous avons fixé la date de notre mariage. Alors, qu'est-ce que tu as en tête exactement? C'est très simple, Teresa. Avant de te téléphoner, j'ai appelé Esteban et je lui ai demandé de venir ici. Quoi? Oui. Il doit être en route à cette heure-là. Avant qu'il n'arrive ici, tu vas te cacher dans ma chambre pour écouter notre conversation.
Attends, tu es devenue folle, Sandra. C'est la seule façon pour toi de l'entendre dire qu'il reste avec toi par pur intérêt économique, Teresa. Rosario m'en veut. Elle m'a dit que je la faisais trop souffrir en voulant m'opposer à sa relation avec Alessandro. Mais en réalité, j'essaye juste de la protéger pour qu'elle ne se fasse pas d'illusions. Comment peux-tu être aussi sûre de ça? Bon, d'accord. Je ne vais plus t'embêter avec ça, mon ami. Mais si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, tu peux compter sur moi, hein? C'est pour ça qu'on est sœurs, n'est-ce pas? Allez, à plus tard. Au revoir, Caridad. Tu as vraiment perdu la tête, ma pauvre. Je ne ferai jamais ça. Et je ne plaisante pas. Tu as peur? Tu as peur d'entendre Esteban dire qu'il n'est avec toi que pour l'argent? Tu as peur de découvrir qu'il se moque de toi? Tu n'as jamais pensé que c'est peut-être de toi dont il se moque? J'en doute vraiment, ma chérie. Moi, non. Parce qu'hier soir, Esteban m'a montré à nouveau à quel point il m'aime. Il m'a dit très clairement qu'il ne divorcerait jamais. Jamais. Tu m'entends bien? Ok, alors, dans ce cas, les dés sont jetés, Teresa. On va passer un accord, toi et moi. Si Esteban dit qu'il ne veut plus avoir affaire à moi, je m'effacerai. Mais s'il avoue qu'il n'est avec toi que pour l'argent, tu demanderas le divorce et tu sortiras immédiatement de sa vie. Et bien évidemment, ça reste entre toi et moi. Tu es partante? Tu veux une autre glace? Non, Barbie, je n'en peux plus. Je vais bientôt dîner. Moi, je pourrais en reprendre une autre et encore une et encore plein d'autres. Qu'est-ce qu'il y a, Rodrigo? Qu'est-ce que tu regardes par là? J'ai cru d'un coup que l'homme là-bas était mon père, mais ce n'était pas lui. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Plus de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était lui. Tu l'as cru parce qu'il se trouve là, dans ton esprit. Parfois, il m'arrive la même chose avec ma mère. De temps en temps, je crois la voir. Mais c'est juste parce qu'elle me manque beaucoup. Non, non, non. Moi, mon père ne me manque pas du tout. En fait, j'aimerais bien le sortir de ma vie pour toujours. Tu dis ça parce que ça te fait mal au cœur, Rodrigo. Et tu veux savoir ce que je fais, moi, pour aller mieux? Quoi? Regarde. Toi, ferme les yeux. Je prends une très profonde inspiration. Puis j'ouvre les yeux. Sur une nouvelle vie où tout est rose. Et alors ça va mieux. Je laisse toutes les choses négatives de côté. Vas-y, essaye. Non, ma belle. Tu sais bien que je ne suis pas aussi sensible que toi. Écoute, Sully dit que les psychologues sont des gens super sensibles. Alors essaye, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Ok, très bien. Écoute. Maintenant, ferme les yeux. Là, tu prends une très profonde inspiration. Et maintenant, ouvre les yeux. Tu vois quoi? Eh bien, le plus beau visage que j'ai jamais vu de ma vie. Dans un monde tout rose. Alors, tu vois que ça fonctionne? Oui, ma belle. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux avec toi. Allez, faut qu'ils s'embrassent. Oui, oui, il nous faut absolument la preuve qu'ils sortent ensemble. Comme ça, la couronne de la reine de beauté sera à moi. Oui, Alessandro a raison. Je ferais mieux de ne pas dire à maman qu'il veut la rencontrer. Il va arriver par surprise au restaurant et il pourra lui parler tranquillement. Désolé, mais je ne pourrai jamais aimer cet enfant. Ne dis pas ça. Mais dis-toi que tout ceci n'est qu'une épreuve de Dieu qui vous mènera tous les deux au bonheur. Mais pour moi, cette épreuve est au-dessus de mes forces. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Le Seigneur écrit droit, mais il utilise des lignes courbes, Alessandro. Il sait bien ce qu'il fait. Nous sommes obligés d'accepter la volonté de Dieu, et ce, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas, Manuel. Je ne peux pas. S'il vous plaît, comprenez-moi. En fait, je crois qu'on devrait annuler le mariage. Vous devez me comprendre. C'est bien mieux pour le bébé.
Jamais je ne pourrai aimer cet enfant, je ne peux pas. Magdalena, le petit ami de ta fille est Alessandro Montalban. Alors tu as eu quoi ? Une fille ou un garçon ? Un garçon. Il doit être adulte maintenant. Rosario, on n'a pas encore fini notre conversation. Maman, moi j'en ai fini. Attends juste de rencontrer Alessandro et après nous pourrons reprendre cette conversation. Rosario, regarde-moi. Crois-moi, ce que j'essaye de te dire est loin d'être facile. J'aimerais que tu comprennes à quel point c'est dur pour moi. Et je t'en prie, je t'en supplie, fais-moi confiance. Maman, je t'ai toujours fait confiance. Maintenant, c'est à ton tour de me faire confiance à moi. Cette relation finira par te faire beaucoup souffrir, ma fille. Maman, ce qui me fait souffrir en ce moment, c'est toi. Allô? Salut mon amour. T'arrives bientôt? Oui, j'arrive tout de suite. Parfait. Comment va mon fils? Il est très heureux de savoir que tu viens. Ton fils trépigne d'impatience. Très bien. Je serai là dans un quart d'heure. Parfait. On t'attend mon amour. Voilà, le moment de vérité est arrivé. On va bientôt savoir de laquelle de nous deux Esteban se moque. Ah, Priscilla. Alessandro avait l'air tellement déterminé quand il a dit qu'il allait épouser Rosario le week-end prochain. Tu es vraiment sûre que Rosario n'est pas enceinte, ma reine ? Oui, j'en suis sûre, parce que mon fils me l'a assuré. Heureusement. Mais ça ne change rien au fait que je suis abattue. Je n'arrive pas à croire que ce mariage va avoir lieu si tôt. Alors il faut qu'on agisse rapidement, sans plus attendre, ma reine. Oui, d'accord, mais est-ce que tu as une idée de ce qu'on peut faire pour empêcher ce mariage ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Allô ? Magdalena ? C'est moi, Griselda. Est-ce que tu as parlé à ta fille ? Tu lui as dit la vérité ? Non, Griselda. Je n'ai pas encore eu le courage de lui en parler. Priscilla, ce serait une tragédie si Alessandro se marie avec cette fille. Je crois que j'en mourrais de chagrin, je te le jure. Non, non. Arrête de penser au pire, parce que Alessandro n'épousera pas Rosario. Je ne le permettrai pas, tu m'entends ? Oui, oui, mais laisse-moi te donner un conseil. Ne provoque pas de gros scandales, parce que ça risque d'éloigner davantage mon fils de toi. Ok, mais il faut que je trouve une solution. Pour qu'Alessandro se sépare de cette stupide étudiante. Est-ce que tu as engagé un détective privé ? Non. Maria m'a conseillé de faire des recherches sur la vie de Rosario sur Internet, mais ça n'a rien donné du tout. Je n'ai absolument rien trouvé sur le passé de cette fille. Alors qu'attends-tu pour engager un professionnel, Priscilla ? Mais ma reine... Là, je commence vraiment à désespérer, figure-toi, ma chérie. Je connais mon fils, tu sais. Et la dernière fois que je l'ai vu aussi déterminé à se marier, c'est quand... Quand il a demandé la main de cette Magdalena. Et si cette femme n'était pas tombée enceinte de son violeur, il l'aurait épousée. Et au jour d'aujourd'hui, elle serait encore son épouse. Tu as raison. Il faut que j'engage un détective privé, exactement. Bien sûr. Bonjour, mon amour. Je suis contente que tu sois venue. Je n'ai jamais eu une relation aussi longue avec une fille. C'est sûrement parce que je ressens quelque chose de spécial pour toi. Je sens que tu me comprends et que tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime, Rodrigo. Et je te comprends aussi. Je le sais, ma belle. C'est pour ça que tu es la seule à pouvoir m'aider à supporter mes problèmes avec mon père. Vraiment ? Oui. Je t'assure que ton amour est le seul et unique remède à ma souffrance.
obtient enfin notre preuve, c'est pas trop tôt. Oui. Adieu la reine, je vais la détrôner, tu vas voir. Je t'en prie, Magdalena. Il faut que tu lui dises, voyons. Tu ne peux pas attendre plus longtemps. Magdalena ? Suis mon conseil. Parle à ta fille le plus tôt possible. Bien sûr, Magdalena. Crois-moi, je te comprends. Mais il faut que tu le fasses. Il faut absolument qu'elle sache toute la vérité. Comprends-moi. Il n'y a plus de temps à perdre, pour l'amour du ciel. La situation risque de mal tourner si Alessandro apprend que Rosario est ta fille, avant que tu ne lui aies parlé toi-même. Si je comprends bien, la mère de Rosario serait la même Magdalena qu'Alessandro a failli épouser il y a plusieurs années? Qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que tu as vu Magdalena? Juste devant l'immeuble. J'étais en train de sortir du bureau avec Rosario et elle passait dans la rue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle veut? Dis-moi! Rien du tout. Enfin, on s'est juste rencontrés par hasard dans la rue, c'est tout. Je suis sûre que cette femme mijote quelque chose. Pourquoi crois-tu qu'elle est venue te voir? Sinon, pourquoi, dis-moi? Eh bien, on dirait que ma chance est en train de tourner. Si Rosario est bien la fille de cette Magdalena, elle est aussi la fille de l'ennemi d'Alessandro et dès qu'il l'apprendra, il la détestera pour toujours. Tiens, mon amour. Où est mon fils? Je l'ai déposé chez ma voisine parce que je voulais discuter tranquillement avec Sandra, toi. Sandra, je suis venue voir mon fils. Il n'y a que ton fils qui compte pour toi en ce moment, Esteban, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne recommence pas avec ça, ok? Si ton fils comptait pour toi, tu ferais tout pour son bonheur. Crois-moi, Sandra, le bien-être de mon fils est très important pour moi. Alors je t'en prie, arrête avec ton chantage affectif. Je ne te fais pas de chantage, Esteban, mais c'est la vérité. J'ai toujours pensé que tous les trois, nous pourrions vivre ensemble et former une vraie famille heureuse. Mais je vois cette idée s'éloigner de jour en jour. À croire qu'il n'y a plus que ta femme qui t'intéresse en ce moment. Sandra, tu connais très bien ma situation avec elle. Je la ménage et c'est tout. Oui, mais tu lui assures aussi que tu l'aimes, Esteban. Oui, Sandra, mais je n'ai pas le choix, sinon elle va demander le divorce. J'ai même été obligée de lui montrer pour qu'elle me croie. Tu veux en entendre plus? Je peux continuer? Non, non, c'est bon, mon amour. Je comprends. C'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui. Écoute, j'aimerais te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi. Si demain, Teresa signe l'accord de séparation de biens, tu te sépareras enfin d'elle? Tu la quitteras et tu viendras vivre avec ton fils et moi? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous venez rendre visite à quelqu'un? Oui, je viens rendre visite à mon amie Rosario. Pour tout vous dire, mademoiselle, je crois qu'elle n'est pas encore rentrée du travail. Mais en tout cas, il y a sa mère, si vous voulez. Parfait. Bon, alors, je vais aller la voir en attendant que mon amie rentre. Excusez-moi. Oh, mince, alors. J'ai le sentiment d'avoir déjà vu cette femme quelque part. Bonjour. Comment allez-vous? Vous vous souvenez de moi? Allez, mon amour, réponds-moi, ne reste pas silencieux comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu me poses encore cette question, Sandra. On en a déjà parlé des centaines de fois. Oui, mais après tout ce qui s'est passé, je commence à croire que tu t'es moqué de moi, Esteban, et que tu ne quitteras jamais ta femme comme tu me l'avais promis. J'ai l'impression qu'au fond de toi, tu l'aimes encore. Écoute-moi bien parce que c'est la dernière fois que je te le dis. Si je suis encore avec Teresa, c'est pour ton intérêt financier à toi. Celui de mon fils est par-dessus tout le mien. N'ayez pas peur de moi, madame. Je suis juste venue pour dissiper certains doutes. Excusez-moi. Des doutes ? Des doutes à quel sujet? Écoutez, j'ai un ami journaliste qui est en train d'écrire un article très important sur la vie d'Alessandro. Et devinez quoi? Il a découvert
que votre fille est née dans le même village que lui et que la femme avec laquelle Alessandro a failli se marier il y a de ça des années s'appelle Magdalena. Magdalena Pérez. Comme vous, c'est incroyable, non? Rosario! Bonjour, monsieur Roman, vous allez bien? Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Oh, Rosario, il faut que je te dise, écoute un peu ça. Figure-toi qu'ils ont appelé ma femme au Mexique et qu'elle va passer l'entretien. Oh, c'est formidable! J'en suis vraiment ravie. Elle va donc pas tarder à nous rejoindre ici? Je l'espère, ma chère Rosario, je l'espère bien. Ok, c'est bien. Ma petite, écoute. Pour changer de sujet, tout à l'heure, tu as eu de la visite. De la visite? Oui, une jeune demoiselle très jolie. Elle m'a dit que c'est une amie à toi. Tu sais, je crois l'avoir déjà vue auparavant, mais je ne me souviens pas où c'était. Bon, je dois y aller. Le bus n'attend pas. Oui, bien sûr. Et prenez soin de vous. Merci. Oh non, mais calmez-vous, calmez-vous. Ce n'était pas mon intention de vous bouleverser ni rien du tout. Je voulais juste vérifier. Si vous êtes la Magdalena qui a failli épouser Alessandro il y a plusieurs années, tout en sachant qu'elle attendait un bébé. Malheureusement, un bébé issu d'un viol. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Non? Non, je vous demande de sortir. Tout de suite, de chez moi. Arrêtez ça, Magdalena. Vous feriez mieux de me répondre oui ou non. Parce que si vous êtes cette femme, je peux très bien empêcher la publication de cet article. Je pourrais ainsi vous épargner l'embarras causé par une situation aussi désagréable que celle-là. Vous imaginez ce que votre fille ressentira quand elle lira cette histoire tragique dans le journal? Et sans aucun doute, Alessandro quittera Rosario car il aura appris qu'elle est la fille de son pire ennemi. Oh, pardon. Je suis tellement étourdie, pardon. En fait, j'avais complètement oublié de vous dire que ce journaliste avait découvert cela aussi. Allez-vous-en. Allez-vous-en, je vous en prie. Je ne sais absolument pas de quoi vous parler. D'accord. Désolée si je vous ai offensée avec cette histoire, car vous n'êtes peut-être pas la Magdalena dont il est question ici. Bon, alors d'accord. Je vais donc dire à mon ami journaliste qu'il peut publier son article, puisqu'il n'y a pas de problème. Non, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Ça veut donc dire que... Je comprends donc que... Vous êtes... Oui. C'est vrai, je suis bien cette femme dont vous parlez. Et tout ce que ce journaliste a découvert... est bien vrai.